mesure. Merci, c'est gentil. 38. 38. Ouais. Ça va. Hein. Deux enfants. Pour ton âge, ça va. T'es belle. Pour ton âge, t'es belle quand même. Ah. Vous avez un document d'identité, un permis de conduire? Je suis en train de passer, monsieur. Vous n'avez pas de permis? Non. C'est-à-dire, vous avez quoi? Vous avez au moins un document de bord ou pas? J'ai été autocode, j'ai rien. Vous avez rien? Ok. Bon, donc vous avez une carte verte ici pour l'Opel Meriva du 7 du 3 2023 au 26 du 5, ça va? C'est déjà dépassé. Mais non, mais on n'entend pas plus de nouvelles. Et là, ici, vous avez une demande d'immatriculation du 17 du 5. Voilà, c'est un nouveau, donc on a appelé, on n'a pas reçu encore le pour le vérifier. Et je vérifie ça comment à cette heure-ci, un vendredi soir? C'est pas moi à vérifier, monsieur. Ouais, c'est vous qui me donnez vos documents. Hein. Mais l'assurance, il m'a dit qu'il va m'envoyer le nouvel contrat. Ça va pas aller du tout. Donne-moi vos clés. Merci. En fait, t'as pas de permis parce que tu l'as perdu ou t'as jamais eu de permis? J'ai de perdu. Tu l'as perdu? Et vous habitez ici? Ah, dans le partage. Et vous? J'ai habité longtemps ici dans la région de Charleroi. Je suis Carolois à la base. Vous avez de beaux yeux. Merci, c'est gentil. 38. 38? Ouais. Ça va. Hein. Deux enfants. Pour ton âge, ça va. T'es belle. Pour ton âge, t'es belle quand même. Ah. Tu sais parler aux femmes, toi. Et vous, avez quel âge? Non, j'ai 21 ans. 21? Ouais. Ah oui, t'es tout jeune. Oh là 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 là. Dommage. Dommage quoi? Si vous avez pas mon âge. Et ça va au niveau de la justice? Ça va. Raconte. Pas de problème. Alors nickel, ça va passer crème. J'espère. Bah, sans permis, j'espère juste que tu l'as en fait. C'est ça le souci. Ouais, j'ai pas. En fait, j'ai l'impression que tu me racontes n'importe quoi. T'as pas ton permis. On te l'a retiré. Je sais pas. C'est compliqué en fait. On te l'a volé. On va dire ça. Voilà, ouais, on va dire ça. Bah, votre voiture, je vais déjà la prendre. Ouais. Ça, c'est un. Hein. Vous n'avez pas d'assurance, monsieur. Vous n'avez pas de permis de conduire. Vous avez une assurance, là, maintenant, tu te l'as montré? Il n'y a pas. Parce que vous savez pourquoi il n'y a pas d'assurance? Parce que c'est pas... Non, non. C'est pas la même Meriva que ce qu'il y a sur le papier. C'est une autre Meriva et vous n'avez pas encore fait de démarche. Ben, si, j'ai fait les démarches. Mais montrez-moi. Regardez le papier. Mais non, monsieur, le papier, il ne marque pas. Vous avez fait une demande d'immatriculation. Il n'y a pas le cachet de l'assurance. Monsieur, on démarche. Vous voyez bien. Ben, vous allez continuer vos démarches et puis je vous rendrai votre voiture. Allez, je vais vous demander de sortir. Les panneaux vont arriver. Récupérez vos affaires. Je crois que c'est la première fois depuis que je tourne police de la route qu'il y a des gens qui sont aussi cool qu'on leur prenne leur voiture. Ils ont l'habitude ou quoi? C'est pas possible. Ils ont rien dit. Ils sont censés le voir. Ciao, ciao, salut. J'ai eu la zone de police de Charleroi au téléphone qui l'a contrôlé il y a 3 semaines d'ici pour un accident avec délit de fuite. Et voilà, donc ils sont déjà fait choper pour ça il y a 3 semaines. Donc. C'est compliqué, hein? Oui, oui. Oui. Après, on prend ça, voilà. Nous, on a enlevé la voiture en défaut d'assurance de la circulation. Il n'a pas de permis, il ne conduit plus, il aura son PV. Et puis le reste, c'est la justice qui fera son... Oui, vous avez constaté, vous avez voilà. Fait le job, quoi. Donc voilà. Bon, ben on termine là-dessus.